Salut les gens, on se retrouve pour une dernière petite série sur les liquides. Inspire. Dernière série. En théorie, j'aurai d'autres liquides. Mais pour être tout à fait franc, j'ai rencontré un petit souci sur certains liquides qui ont eu soit une erreur de conditionnement. Il faut savoir que la marque se lançait et que c'était donc de l'avant-test en fait. Voilà, donc du coup il y a eu peut-être un petit loupé sur soit le conditionnement soit sur l'étiquetage. Il s'avère que du coup j'ai eu un petit problème dessus. Deuxième petite info, puisque ça m'a été donné, enfin ça m'a été dit dans mes vidéos, c'est du 80-20. Et voilà. Donc c'est rectifié, c'est du 80-20, bah, c'est une très belle vapeur pour du 80-20. Donc ça s'est rectifié aussi. Je vous propose de commencer tout de suite. On va commencer tout de suite par le premier liquide, la pomme rouge. Pomme rouge. On teste ça sur un Kogger 3, un Protank 3 pardon, résistance de 2 ohms. On est à 9 watts, 8 watts 5. Une belle vapeur pour du 80-20. Belle vapeur quand même. Au niveau du vide, je suis un petit peu malade. Hein. ça s'entend peut-être quoi. Au niveau du vide, j'ai un hit qui est tout début de gorge. Début de gorge, milieu de gorge, mais tout, voilà, quoi, entre les deux. Il est pas surpuissant le hit. Au niveau du goût, comment dire ça? Au niveau du goût, il s'est passé que voilà, moi je remplis, ce que je fais en fait, c'est que je remplis mes atos, boum boum boum, je les fous dans ma petite pochette. Et je vais les vaper comme ça pendant une journée. Le soir, je reviens, boum, je les re-remplis. Et voilà. Ce qui fait que le matin, en fait, quand je pars, j'ai tous mes atos qui sont remplis. Et il s'est avéré que la pomme, bah, j'ai vraiment eu du mal à la reconnaître. Alors, j'étais pas malade à ce point-là au départ. J'ai vraiment eu du mal, quoi. C'est pas que c'est mauvais, parce que contrairement à pas mal de pommes que j'ai déjà vapées, j'ai pas été écœuré, mais pomme rouge, ça ressort pas comme de la pomme rouge, quoi. C'est pas super, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a déçu. À se demander ce que c'était même. Donc pomme rouge, je suis désolé. Alors est-ce que ça fait partie des lots qui ont eu un problème? Je ne sais pas. Il s'avère qu'effectivement, en revenant et en regardant, parce que je place mes petites fioles de liquide dans un certain sens, en fonction des atos que j'utilise, ça vous allez tout savoir. Donc en rentrant le soir et que j'ai vu que c'était de la pomme rouge, j'ai dit ouais merde, ouais, c'était de la pomme rouge. Et en goûtant, bon, j'ai un truc qui vient, mais est-ce que c'est psychologique ou quoi? Est-ce que c'est du conditionnement? Voilà, je ne sais pas. Très franchement, la pomme rouge, pour moi, c'est... Voilà, c'est pas abouti. C'est pas abouti. Je suis désolé. On va passer tout de suite au deuxième petit liquide. Deuxième petit liquide. On va se faire lequel? Ça va pas être une réussite aujourd'hui. Deuxième petit liquide. Hop là. Le Power. Power, vous l'aurez compris, c'est la boisson énergisante. On teste ça sur un Evode BCC. On a une résistance de 2,4 ohms. On va se mettre à 9 watts. On a une vapeur moyenne. Une vapeur moyenne.
La taf que je viens de prendre, je sais pas, je l'avais jamais eu. Au niveau du hit, c'est super léger. Un hit super léger, limite je le sens pas, c'est milieu de gorge. Au niveau du goût, on est clairement sur la boisson énergisante, c'est pas ma came. C'est franchement pas ma came. Et on est dessus, mais très léger. Il y a peu de temps, j'ai testé une marque de liquide avec c'était vraiment ça. Là, c'est ça, mais en version light. Tout en douceur. C'est ça, c'est tout en douceur. Si vous aimez la boisson énergisante, vous allez certainement adorer ce liquide parce qu'il va pas vous. Enfin, ça dépend comment. Si vous aimez les trucs super sucrés, vous serez peut-être un petit peu déçu. Là, c'est vraiment tout en douceur, quoi. C'est ça, c'est la boisson énergisante, mais adoucie, légère. On passe au troisième liquide, il va y en avoir quatre. Troisième liquide, c'est l'US Line. US Line, donc dans la série des Line, un tabac. On teste ça sur un mini ProTank 2, résistance 2,4, on va rester à 9 watts. On a une super vapeur, c'est impressionnant. 80-20, c'est ouais, c'est balèze. Pour du 80-20, c'est balèze. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce tabac? Je regarde mes petites notes en même temps. Effectivement, quand je l'ai goûté au début, donc je vous ai expliqué ma manière de procéder, j'avais un petit goût donc de tabac. Tabac sec, super sec. Un petit peu de cacao. Et de la noisette. Alors je sais pas pourquoi, mais souvent dans les tabacs, je trouve de la noisette, de la noix ou des trucs comme ça. Voilà, j'avais ça. Ensuite, j'ai vapé un petit peu partout. Je me suis aperçu par le regard des gens, par ce qu'on me disait. Il a une odeur. Il sent très très fort. Et c'est vrai que ça se sent quand même. Il assèche la bouche. Il assèche vraiment la bouche, quoi. Il donne limite, il donne soif. J'aime bien ça dans un tabac. J'aime bien avoir cette sensation de voilà, que ça m'assèche la bouche, que ça me rentre comme pouvait le faire une cigarette, quoi. Voilà, moi j'aime bien ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a un goût un petit peu de bois derrière d'écorce. C'est bizarre, je sais, hein, je sais. Mais voilà, c'est ce que moi je ressens sur ce tabac, l'US Line, qui est un super bon tabac, enfin liquide tabac. Au même titre que le Desert, d'ailleurs, que j'adorais aussi. Très très bon, très très bon tabac, celui-là. On va passer au dernier. Et le dernier va me faire du bien. Parce que le dernier, c'est la menthe. La menthe. On teste ça sur un Evode BCC ou un. Je sais plus comment ça s'appelle. La même chose. La même chose. Résistance de 2,2. On va rester à 9 watts. C'est du 80-20, quoi. C'est du 80-20. Le hit, c'est un hit de fraîcheur. Mais qui commence milieu de gorge et qui descend. C'est une menthe. Mais alors.
elle arrache. Peut-être pas autant que d'autres que j'ai pu goûter. Mais elle arrache bien, vraiment, elle arrache sévère. Un petit peu poivré. Allez, c'est une menthe végétale, c'est complètement con de dire ça, mais on sent le végétal, on sent un petit peu de même limite d'anis. C'est super bon. Elle est juste terrible cette menthe. C'est ça, y a une petite amertume derrière. J'adore cette menthe. J'adore ça. Et elle est fraîche, quoi. Elle est fraîche. Je vous assure. C'est terrible. C'est terrible. Une super bonne menthe. On refait un petit tour d'horizon. On a vu la pomme. Si c'est vraiment de la pomme que j'ai reçue, moi, m'a déçu. C'est voilà, pomme rouge. Je m'attendais à avoir de la pomme rouge. C'est pas au goût, c'est pas ce que j'avais. Il y a un arrière-goût, effectivement, pomme, mais derrière, c'est, je sais pas. On a vu quoi? On a vu l'US Line. Je sais pas si c'était dans ce sens-là d'ailleurs. Je sais plus. Je sais plus, je suis perdu. On a vu le Power. Le Power qui est un clone de la boisson énergisante, mais tout en douceur. C'est pas ma came. J'aime pas ça du tout. Si vous aimez la boisson énergisante pas trop sucrée, vous allez adorer ça. On a vu l'US Line, qui est un super bon tabac, au même titre que je le disais tout à l'heure, le Desert. J'adore. J'adore les tabacs qu'ils ont. Ils ont une gamme de tabac qui est vaste, qui est variée. J'aime beaucoup. Avec des notes de bois. J'adore. Et on a vu la menthe. La menthe, elle est juste d'enfer. J'adore. Encore une fois, je voulais remercier Stéphane pour m'avoir permis de tester ces liquides. Je voudrais juste refaire un petit tour d'horizon sur l'ensemble de la gamme. Dire que pour moi, cette gamme de liquide, cette marque, la marque Inspire, est vraiment terrible. Vraiment, tout ce que j'ai goûté, hormis les quelques problèmes que j'ai eu, parce que j'ai eu de la banane qui avait un goût, je l'avais noté, je vais vous dire ça. J'avais une banane, je sais plus où je l'ai noté d'ailleurs, qui avait un goût un petit peu spécial. J'ai eu une menthol qui avait une note de fruits rouges. J'ai eu des trucs un petit peu spéciaux comme ça. Le candy cola qui est super bon, le candy cola qui est super bon. C'est vraiment, c'est un bon goût de bonbon cola. Le chocolat. J'ai testé le chocolat. Je sais pas si je dois l'avoir là. Voilà, le chocolat. Le chocolat, c'est juste une tuerie. C'est du chocolat avec la touche de lait. C'est génial au petit déj. J'ai adoré au petit déj. C'est déchirant. C'est déchirant. C'est un goût de chocolat, pas de cacao, de chocolat, parce que souvent le goût coca chocolat, non, c'est un goût de cacao. Là, c'est du vrai goût de chocolat au lait. J'ai adoré. J'ai testé le Lord qui est un Lord Line, qui est un tabac super fort, vraiment super entêtant, super super prenant. Non, voilà, juste une gamme de liquide, la gamme Espire, qui est juste terrible. Merci Stéphane de me l'avoir fait découvrir. Vraiment, allez-y sans aucun doute. Lâchez-vous, testez, vous allez adorer. Voilà, j'attends vos retours. Et puis, nous, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao, à bientôt.